Oyo Minasan, c'est Gunjo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour du Fallout 4. Donc voilà, c'est parti. Donc là, je suis arrivé à voir monsieur. Ce jeune homme, on va dire. Je me demande à quoi il ressemble. Kowalski, il me dit qu'il y aurait un monstre marin dans ce patelin. Donc je vais vérifier avec mon petit robot pour lui mettre des affaires sur moi, parce que. Enfin, de moi sur lui. Parce que je suis un peu trop lourd, hein, donc je roulerai à plus, je pense. Voilà, j'ai un poids assez acceptable. Trouver le monstre marin, ok. J'aime pas trop l'eau, mais bon, il va falloir y aller. Alors, ça dit. Il faudrait aller là. Une porte ? Sérieusement. Il est 15 mètres. Là ? Apparemment. Je crois que je fais une petite sauvegarde ici. Hein, parce que j'aime pas trop nager dans l'eau, moi. Hein. Surtout que je vois que dalle dans l'eau là. Apparemment, c'est un sous-marin. Ok, je suis rentré dans le sous-marin. Et en plus, le truc qui s'abaisse. Seriously, guys. Ok, nous sommes dans le sous-marin. Et aussi, j'ai mis en normal parce que ça me saoulait niveau graphiquement. À chaque fois, j'ai été problème niveau graphique, je sais pas. Du coup, j'étais ralentissement. Oh, une ghoul. Ça fait longtemps. J'ai vu, vous avez parlé avec garçon sur les docks. Après, nager jusqu'ici. Vous avez plein d'armes. Et bonne santé. Mais pas une menace. Non. Vous venez en paix, c'est ça? En paix. Oh. Vous êtes une goule. Goule? Comme Janshi? Monstre? Non. Je suis Zhao. Zhao de Chine. Capitaine de Yangtze. Très majestueux Changting. Monstre. Ah. Pourquoi vous êtes ici? La guerre terminée. Fini depuis longtemps. Et dans mon Yangtze, pas de Baowu. Pas de trésor. Rien à voler. Meurs, sale communiste. Vous êtes dans ce cigare depuis 200 ans. Oh, si longtemps. Shide. Oui. C'est sûrement ça. Très longtemps. Juste après le feu. Yangtze a touché une mine. Mon Chanting a eu très grande chance d'arriver dans le port. Tout était déjà en ruine. Pas beaucoup nous ont remarqués. Et tout le monde s'en fichait. Trop de Tongku. Votre arrivée. Bonne Chinyun pour moi. Besoin d'aide. Yangtze peut plus avancer dans la mer. Vous pouvez m'aider à réparer ? Vous me feriez confiance ? Confiance, très risquée. Mais la fin justifie la cruche à l'eau, comme on dit chez vous. Vous êtes pas comme les pillards qui montent sur mon Chanting. Mon Yangtze, vous venez en paix. Chéché. Ok. Qu'est-ce que vous comptez faire une fois le sous-marin réparé ? Ah, cap sur Zhangbo. Retour en Chine, chez moi, Magia, maison. En Chine ? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? C'est pas, n'importe quoi. Si la Chine est disparue, je reconstruirai avec mes mains, maison après maison. Et si pas de maison à construire, je vais mourir là, Magia, en paix.
Ok. Bon, mais j'ai été quand même... Je suis à votre disposition. Ah ! Oui ! Merci ! Chez, camarade. Problème. Yang Tse, plus de moteur. Pas de puissance. Si on répare le réacteur... Assez, c'est sûr. Dégâts sur... Bobine de refroidissement, ouais. Gros dégâts. Faut changer. J'ai des informations. Renseignements secrets de guerre. Il y a des bobines de refroidissement dans une usine. Sogus Iron Works. Et le combustible nucléaire? J'ai déjà une petite idée qui passe derrière la tête pour ça. Mais d'abord, bobine de refroidissement. Pourquoi vous n'avez pas réparé le Yangtze vous-même? Il y a longtemps, rester ici, c'était bien. Content. Mais maintenant, je pense à mon Zhuguo, à la Chine. En plus, mon Yangtze est très en danger. Pillards viennent. Je les ai chassés. Mais j'ai peur de laisser mon Changting tout seul. Ouais. À vos ordres, capitaine. Je m'en charge. Je suis pas votre capitaine. Zhao suffit pour vous. Allez chercher bobine de refroidissement. Moi, je vais réparer système de commande du pont. Beaucoup de gangzo. Ok. Bonjour. Ouais, je vais être très malade. Ok. Il est super cette créature sous-marine. Moi, je voulais vraiment une créature marine. Monter de niveau, et hop. Nage, normalement je reçois plus de rades. Bon, ça c'est les rades. Il y a autre chose. Wouhou!
Ah bah c'est que V1. Je vais aller à... Quoi? Ok. What the fuck, guys? Venez ici. What the fuck, guys? Allez, gros dur, amène-toi. Là, tiens, tout ce qu'ils font là, eux. Toi, t'es là. Toi, tu meurs, voilà. Bah sérieux? Non mais ils sont sérieux les intérieurs, l'artilleur là. Rentrez chez vous là, bande d'enfoirés. Tu vas crever! Voilà. Le temps de mes opérations est apprécié.
tu vas rien colter en fait dans le machin. Allez, on rentre dedans. Pourtant, c'est. Bah, si, il y a des lustres quand même ici, quand même. Je sais pas, chaque mage, je sais pas, les loots sont rebaptisés, on va dire, ils sont remis. Mais les ennemis, fait chier quoi. Ah, mais sérieux là. Putain, mais la elle recule starve. Ok. Je gagne des points d'XP, je ne sais point comment. Ils sortent de nulle part. Bon, j'ai ramassé un lance-lame. Joli. Tu vas crever. Hey, cramé. Sérieux.
avoir du feu. J'ai pas peur. You Ada. Mais ça tout de suite. Ce sera différent avec toi. Ok, bon. Ah, tu meurs, voilà. Ça y est. Ok, ça c'est fait. J'ai récupéré, on va dire, voilà quoi, je récupère la chaise. Bon, ce qui m'inquiète, c'est où est mon robot. Génial.
Jack et Wally et Ada. Ah bah elle est là. Hey. Oui. Allez. Je m'en charge. Ok. Ok, bon. Avant d'aller là, je crois que je vais aller vite fait. Non, juste avant en fait. J'ai des trucs. Cabrac. Mais je vais pas sur le cabrac. Ah, Ada. Hey! Je m'en charge. Vous voulez diminuer le poids de votre équipement? Attention! Aucun problème! Voilà! J'ai pu avoir plus de place. Donc voilà, donc c'est parti. Ok, nous sommes de retour ici. Hop. Et voilà, l'épisode 135 se termine ici. Donc voilà, donc pour la suite, soit dans 2 jours. Donc voilà, donc likez, partagez et attendez le retour de l'épisode. Donc voilà, c'était Gancho. Bye bye.